Salut à tous et bienvenue sur le stream de l'infini Adri. Voilà les streams de l'infini. C'est ici. Capri. C'est fini. Bon, pas que les streams de l'infini soient finis, hein. Doucement, on se calme. Voilà. Voilà. J'ai dit donc, voilà. Ce soir, nous jouons à un petit jeu indépendant que j'ai nommé Elex. Alors là, je suis en train de terminer ma finition, hein, vous en faites pas. Voilà, je viens de lancer ça, très bien. Du coup, Elex, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Voir la page du jeu. GOG. Du coup, jeu sorti relativement récemment. Alors relativement, en effet, le 17 octobre 2017, il y a donc un an. Il était en solde récemment sur GOG à moins 60%, donc c'est là où j'en ai profité pour le prendre. Ils nous le définissent comme un jeu de rôle action mode ouvert développé par Piranha Bytes. Un éditeur. Non, mais je crois que c'est bien le développeur Piranha Bytes. Et en fait, c'est par le même studio qui a fait les Ryzen. Enfin, en termes de RPG. Donc on est plutôt sur un truc qui a. Il y a un peu de bouteille, enfin voilà, quoi, le studio, c'est ce qu'il fait. Édité par THQ Nordic. Édité par THQ Nordic. Alors il a forcément. Vous avez pas la vision. J'arrive, je viens de lancer le jeu. Hop. On capture Elex. Ok. Hop. On va agrandir un peu histoire de voir ce que je fais. Capture de jeu, moi qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça n'y touche pas. Capture de jeu. J'aurais juste essayé de. Ah. De. L'agrandir un petit peu. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Du coup. Donc voilà, jeu sorti il y a à peu près un an. Appuie sur une touche, très bien. C'est une sorte de Dark Souls-like. Alors, une sorte, hein, j'insiste là-dessus. Attendez, je regarde juste si j'ai moyen. Attends, fenêtre sans bordure. Ok, oui, non, il gère très bien ça, comme un grand. C'est parfait. Du coup, là, mon visuel est plutôt bon. J'ai un spectateur. Salut à toi, spectateur. Retour. Je m'assure que ma manette fonctionne bien. Elle fonctionne bien. On va faire une nouvelle partie pour vous montrer un peu le début du jeu. C'est normal parce que j'ai pas trop envie de me faire suer. Cinématique, je me tais. Survivors faced a world that was unrecognizable. Fighting amongst the ruins of the old world, new factions arose. The Berserkers, the Clerics, the Outlaws, each with their own vision of the future. But it wasn't only the struggle for scarce old world resources that drove them, for the Comet had bought something new. Elix, an element unknown to Magellan. It could fuel technology, change the evolution of life, open new abilities to those with the will to control it. For the Clerics, it drove new technological innovation. For the Outlaws, drugs to free their minds. To Berserkers, it gave the power of magic. Seduced by Elix's power, some began to consume it. Addicted, overwhelmed. Most degenerated into vicious, mindless mutants. But there were some who could control their addiction. To them, at the cost of their emotions, Elix offered strength, focus, and stamina. These people called themselves the Albs. Seemingly unstoppable, the Albs have waged war on all who will stand between them and their need to obtain Elix.
Advancing from the frozen wastes of Zaykor and their fortress ice palace, the Alves threaten the future of all the factions on Magellan. Now, as Alb forces prepare their final assault, Jax, renowned Alb commander, is sent on a solo mission. One Alb, selected to change the fate of Magellan. Du coup, vous doutez que cet Alb, c'est moi. Je crois. Je suis confiant. Et du coup, ça commence mal. For failure. Personne n'a pas l'air très sympathique en soi. Bah, du coup, ma supérieure d'une race supérieure que je suis, bah, je vais me faire défoncer la gueule en cutscene. End of the Stone. On dirait le gars de 300, Gerard Butler. Et je me suis donc fait dépouiller de tout. Voilà, rapidement, petit attaque, j'ai tenté quelque chose sur... ma fenêtre. Peut-être que si je mets ça là... Et ouais, en fait j'essaie de me trouver un layout d'écran qui fonctionne bien, voilà. Du coup, commande, allons-y. On va commencer, bah, comme dans n'importe quel jeu comme ça, à ramasser absolument tout ce qui nous tombe sous la main. On voit des petites herbes médicinales pour le moment. Donc pour le moment, voilà, on n'en sait pas beaucoup. J'ai déjà avancé un tout petit peu dans le jeu. C'est-à-dire que j'ai joué 10 minutes, j'ai tué un rat, j'ai vu le PNJ, et voilà. Donc voilà, donc au début, on commence comme ça. Hop, je peux grimper avec ça, très bien. On commence avec ça. Je devrais être mort. Attends, je regarde au niveau de l'audio. Ah, que j'entends pas forcément les voix. Mais j'aime pas quand je n'entends pas les voix dans un jeu. Ok. Alors au niveau des commandes, pas grand chose à noter de spécial, je saute avec X sur ma manette. Je ramasse des trucs avec A. C'est simplement la touche d'action.
Je ramasse des flèches qui ont été plantées dans le. Dans le truc. L'arbre. Je saute. Roulade. Hein, qui fera plaisir à tous nos fans de Dark Souls ici présents. Hop. Voilà. Ah, la bonne vieille cure des intox. Think, Jax. My weapons, my armor. Did Kallax take them? Alors, n'hésitez pas à me dire si le son. If Kallax had seen I was still alive, he would have finished the job. It was someone else. This is Zidane, enemy territory. Mm-hmm. Kallax returns, or the berserkers find me, I'll be dead for sure. Ok, donc. Raccourci. Oh là, oh là. Alors, RB pour l'attaque normale. Bim! Associer RB, RT, réaliser les combos. Voilà, donc je tatane des rats. Que je peux. Rengainer et surtout dépouiller. Voilà, là je viens de récupérer une lion de creux. Il fait toujours plaisir. Petite potion. On peut grimper sur des KS. Je peux grimper ces escaliers. Tellement les trucs par là, j'en suis tellement sûr. Hop. Alors pour le moment, bah, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu, hein. Je le découvre. Oh, j'ai vu un truc tomber de la vasse de l'eau, oui, c'est normal. Ah ah, une cache. Dégainer l'arme, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce gros dindon? D'accord, barre d'endurance, je suppose que c'est le vert. La barre vert en haut à gauche. Allez, gros dindon. Et voilà, un adversaire à ma hauteur. De l'Alex, très bien, brut en plus. Une bouteille d'eau. Des flèches qui font plaisir. Ah, il pleut. Une amulette d'aventurier. Je prends. Alors, il y a un inventaire, assez logiquement. Bon jeu, il y a des points d'attribut. Voilà. Ça, c'est des points de capacité. Je suppose que plus je montrerai mon arme corps à corps, plus j'aurai de puissance. Ça, c'est mes armes que j'ai en stock. Donc, pour moi, j'ai une barre de fer et cette flèche. Ça, c'est mon armure. Et voilà, je suis venu là parce qu'apparemment, j'ai l'amulette d'aventurier qui me donne plus d'armure et de crochetage. Bonjour à toi qui viens de venir. Bonsoir à toi. Tu viens pour l'Alex, toi aussi? Ah bah carrément, je sais pas ce que c'est, mais je viens carrément pour Alex. Eh bah écoute, l'Alex est une drogue qui nous rend plus puissants. Ou ah, totalement dépendant, c'est au choix. Est-ce que les deux c'est possible? Je pense que oui. Très bien. Du coup, bah tu es en live, Akeliel. Bienvenue sur le stream de l'Infini d'Adri. Bonsoir, pardon, à ceux qui nous regardent, excusez-moi. Je me manque à tous mes devoirs. Juste que je suis fasciné par ce jeu. Eh bien écoute, tu es au bon endroit pour le découvrir. J'ai les yeux rivés sur l'écran actuellement. Tu es sur stream de la découverte, tu as pu me voir tuer des dindons. Ah, je suis arrivé trop tard pour ça. Ah dommage. Par contre, dans le milieu, je ne suis pas le dindon de la farce. C'est vraiment incroyable. Alors je remarque que sur le live, il lagouille un peu. Ouais, je viens de voir ça. Ouais, t'es pas tout à fait parfait. Je vais tenter quelque chose devant vos yeux ébahis. Je vais réduire ma résolution. Si je fais ça, oui. Peut-être que là... Ok, ça a l'air d'être un poil plus fluide. Le jeu est un poil moins joli, mais c'est pas grave. Au moins, il est plus fluide.
Ok, il y a les dégâts de chute, très bien. C'est un bon moment pour le découvrir. Donc pour le moment, là, j'explore un peu la zone du début. J'ai trouvé un dindon et de l'Alex. Il y a beaucoup de barbelés pour dans cette zone. Il y a beaucoup de barbelés, en effet. À quoi est-ce dû ? Ce sont les ruines de l'ancien monde. Et là, je viens de découvrir le reste d'un de mes drones de surveillance. Et du coup, j'ai une nouvelle mission qui s'ajoute à mon inventaire qu'on va aller voir tout de suite. On peut voir ici que j'ai plusieurs missions. En principal, j'ai survie, qui est une mission tout à fait honorable en soi. Et j'ai une mission de l'épargne des compagnons, je suppose, qui est une boîte de conserve à moitié défectueuse. Je dois retrouver mon Chrony U4. Et on peut voir, si je mets un repère sur la carte et que je vais sur la carte, qu'il est uber loin. Très très loin. Du coup, je vais plutôt me focaliser sur la survie. Qui est un objectif tout à fait honorable pour le moment. Ouais, la zone est respectable. Voilà. Je peux prendre un arc de cultivateur, oui, et des déchets électroniques. Car comme dans beaucoup de jeux de ce type-là, on commence en bon vieux gitan de l'espace. Et on ramasse absolument tout ce qui nous passe sous la main. Que ce soit le ruban adhésif, les tasses, le papier hygiénique, les petites gemmes jaunes qu'on n'a aucune idée de ce à quoi ça sert. Du vin, des déchets, des trucs. Et donc... Oui, parce que ça fait très chasseur cueilleur le long de l'arc. C'est vrai. Et donc là... Alors là, c'est vrai qu'au niveau tutoriel dans le jeu, c'est un peu... prends ta bite et ton couteau et vas-y. Genre là, il n'y a rien qui me... Ouais, mais Dark Souls, tu vois, t'as les messages pour t'aider au début. Ah là, t'avais même pas de message. Ouais, non. Là, par exemple, bah, c'est en cherchant moi-même que j'ai découvert que, oui, bah, pour la technologie de l'ancien monde, elle tombe en ruine. Ouais, mieux, je ne pas traîner. Bah, très bien. Ah, très bien. Yo, Kaidon, et bienvenue sur le stream d'Infini Avery. Installe-toi, fais comme tes choix, t'es chez toi. Mets-toi à l'aise, surtout. Je peux m'asseoir sur les chaises de bureau. Voilà. Incroyable. J'ai l'air heureux. Après des millénaires d'évolution. Ça, enfin, je peux m'asseoir. Chaise de bureau. Ah, ouais. Pour l'instant, oui. On n'a que l'image, mais ça vient de chez lui, je crois. J'entends rien, j'ai pas le son. Mais promis, dans 10 minutes, c'est bon. D'accord. Très bien. Parce que je regarde dans mes trucs OBS, il y a bel et bien le son. Je dois dégainer mon arme, mais pourquoi? Oh putain. Un rat massif malade. Allez, on commence par une attaque puissante. Oh là, oh là. Ouais, des bons vieux coups de baramine, ça marche toujours. Heureusement qu'il est malade quand même. Oui. Potion, cartouche de fusil, morceau de carte. Oh, une carte dessinée à la main. Intéressant. On peut grimper apparemment. Oui, non. Juste un petit bug, je pense. Y a beaucoup de rats, mais bon, je vais pas m'amuser à tuer tous les rats que je croise. Hein, sinon, ça va vite être chiant. Surtout, bah, c'est ça. On va prendre absolument tout ce qui traîne. Et on va ouvrir cette porte. Cutscene. C'est moi où la caméra s'affole de temps en temps. Oui, quand on s'approche des murs, elle s'affole pas mal. Le zen sur le poisson. Chapitre 1, la chasse commence. Oui. Que faisait Kallax ici? Pas bonne question. Incroyable. J'aurai besoin d'armes et d'équipements. Oh, cet avion qui volait sans déployer ses ailes, c'était beau. Malheureusement, je pense pas que je resterai jusqu'au bout parce que je compte quand même me le faire un jour ce jeu. Bah écoute, pas de soucis.
Bah, de toute façon, c'est juste un stream pour de ceux qui ont l'œil, vous aurez pu apercevoir un sprite d'oiseau perché, volé en plein ciel. Oui. Pendant deux frames avant de déployer ses ailes. C'est ça. Et ça, c'était beau. Et comme je disais, ben, c'est juste un stream de découverte, donc je pense que tu te feras spoiler à la limite les deux premières heures. D'accord. Mais oui. Evacuation, très bien. Ouais. Je savais pas si tu l'avais poussé un peu au final. Ah non, là c'est vraiment le tout début. J'ai relancé le jeu au tout début pour le stream. Et eh oui. Pardon ? T'as même fait ton test son sur ta partie perso, j'en suis sûr. Exactement, tu t'en doutes. Ah, un jetpack. Il est très bien visible par terre. Alors, I2 plus maintenir. Et voilà comment ça fonctionne, un vrai jetpack. Hop là. Et du coup, on vient de... Présenter le jeu un peu ou pas du coup? J'ai déjà quoi? Présenter le jeu un peu ou pas du tout? Oui, bah, enfin, j'ai pas eu grand chose à présenter, à vrai dire. C'est un jeu de... édité par THQ Nordic, développé par un studio russe, sorti il y a un an. Une sorte de Dark Souls-like... Ah, j'ai trouvé un pantalon d'ouvrier. Une sorte de Dark Souls-like science-fiction. Et dans la cinématique d'intro, nous a donc appris qu'on était sur une planète où il y avait trois factions. Déjà vidé ce casier. Une petite potion. On ouvre ce casier là. Où j'ai pu voler du papier hygiénique. Donc ouais, nous sommes une sorte de quatrième faction qui sont les Albs. Les Albs. Hop, pardon. Qui sont les Alves, et nous on est la faction qui a réussi à contrôler un peu l'Alex, que ça nous rende plus fort. Et grâce à ça, bah, on va juste tataner les autres pour récupérer tout l'Alex qu'on peut. D'accord. Alors après, d'après, c'est parce que bon, j'arrive, je critique le jeu. Faut savoir que le jeu est surtout... réputé pour ses qualités narratives et d'interaction de l'environnement. Et on critique un peu effectivement ses graphismes. Très bien. Tire un peu sur ambulance pour rigoler, mais en vrai, a priori, c'est okay. Que ça qui plonge dans le jeu. Très bien, on est fini. Graphiquement, c'est propre, mais c'est pas hors du commun, ça se voit. Et donc, ainsi, nous rencontrons notre premier PNJ. Je m'approche discrètement, car en tant que bon vieux guerrier, je tentais de l'assommer. Et ma main a fait une étincelle. Qui est assez peu courant, je suppose. En tout cas, chez moi, ça l'est. Heureusement, bon joueur, il m'aide à me relever. J'ai entendu arriver avant même qu'une sorte de ruine. Vous avez la lame de la hache sous ton cou. Eh oui. On m'a tout dérobé. Maintenant je me trouve ici. Ah. Ne t'accuse pas d'être un voleur, mon ami. Bonjour, barbare. Je suis un peu de l'espace. Et j'attends tes excuses. Et là, dialogue à choix. Nous avons le choix de... Je ne m'excuse rien du tout, sale con. Ou bien, pour moi que tu n'es pas le voleur, je t'accorderai peut-être ma confiance. Je vais pas me montrer gros con dès le début. Hein. Je vais demander de me prouver sa valeur. Il aime cette situation. Très bien. On voit quand même de base un personnage qui est un peu méfiant. On est méfiant, je pense que oui. En même temps, je suis sur un territoire ennemi. Je recueille les gens et les amène à Goliath. Un esclavagiste? Ah, il veut finir la guerre.
and people need a safe place to go. Well, a safer place than being out here on your own. But you're welcome to stay and risk being... Et heureuse donc d'être me faire capturer par les Albes si je reste ici. Mais je suis un Albe, mais il ne le sait pas. J'ai vu personne là-bas, la première personne, ça m'a été de grimper l'eau pour vérifier. Je n'ai vu aucun Albe, je n'ai vu personne. Et là, apparemment, je lui mentirais ouvertement. Ou bien je pourrais dire, haha, tu as perdu Albe. Bientôt, elle passe une peine, il n'y a personne là-haut. Alors, je vais jouer un peu défi, genre, tu as perdu Albe. Pas sûr que c'est une bonne idée. Il n'aime pas. Il tue tout le monde. D'autres sont réduits en esclavage. Où est Kari? Oui, mais on n'est pas tous comme ça. Pas tous. Enfin, pas depuis le début du jeu, en tout cas. Et du coup, c'est quoi? C'est un jeu qui dit truc s'en souviendra. Est-ce qu'il se souviendra vraiment? Eh bien, je ne sais pas. Je pense qu'on s'en rendra compte. Toute une gamme de jeux, j'aime bien. Bon, du coup, là, il fait un peu la pub de sa faction. Je te suis, ça ne veut pas dire que je te fais confiance, que tu dis est logique. Attends, j'ai l'impression que tu as été endoctriné. Bon, je vais courte la conversation, hein. Je vais le suivre, mais je ne fais pas encore confiance. Voilà. Sur le mec a quand même essayé de me tuer dès le début, hein, alors que moi j'ai rien fait. Quoi? Rien du tout. Non, ma vie est tout à fait glorieuse, monsieur. Je ne vous permets pas de me juger. Parce que je ressemble à un clodo, que... Par contre, il ressemble vraiment à... Megan est un endroit dangereux, tu vas vous aider à survivre. Ok. Les Goliath veulent me défendre. Eh bien, très bien. Alors, vous m'entraînerez à vous accueillir des gens comme ça, simplement. Ouais, c'est quand même un peu louche. Ah voilà, donc de payer ma place. Ah, il vient de dire que les Albes étaient bienvenus. Peut-être qu'il est très ouvert d'esprit cet homme. T'es là que j'en ai pas, j'ai confiance pour l'instant, si j'essaie de partir. Bon allez, c'est un peu le seul pote que j'ai dans le coin, on va pas encore lui... le hacher. Du coup, il me proposait bien de devenir un berserker. Ah bah je pourrais me faire de la thune pour m'acheter des armes et des provisions. Je vais retrouver le voleur qui m'a pris mon armure. J'ai quand même une belle armure avant. Ray, ok. J'ai un nom maintenant. Bon bah je te suivrai, allez. En route mon grand. À l'est, au pied de la montagne. Très bien. Bien reçu. Eh bah écoute Duras, salut.
Alors, les actions telles que sprinter, attaquer, ou esquiver. Plus en endurance, si vous tombez à court, vous ne pourrez plus effectuer ces actions. D'accord, très bien. Écoute, je te suis, nous courons ainsi comme deux valeureux guerriers. Oh, une petite potion de guérison et une hache. Ah, ça va, il m'attend. Attends, si tu m'attends, mon grand, deux petites secondes. La hache rouillée, j'ai quand même l'assigné. Un de mes raccourcis, au cas où j'ai besoin de me défendre. Ah, c'est juste un principe de défense. Une hache. Quel manque d'esthétisme. Mais non. Si c'est dangereux, proviens-tu ici? En effet, c'est une terrible patch. Ouais, ils sont vraiment endoctrinés pour sa patrie. Allez, en route, mon grand. Excuse-moi, tu peux robotiser un peu. Je robotise un peu. Alors, toi aussi. Je peux te séparer sur le ou je sais pas. Alors, quand est-ce qu'on va se faire attaquer par les sangliers putrides? Très bien, c'est terriblement dangereux comme vrai. Des vestiges d'anciens mondes, j'ai récupéré un niveau rien qu'en parlant. Moi, ça me stresse. Je passe à côté de grosses boules jaunes sur l'infer. Yo, The Creator, bienvenue sur l'Esprit de la Fièvrie. Yo. Il est sorti. Très bien, donc il y a des morts là-dedans. Tu as le son. Eh bien, tant mieux, Kaelon, et bienvenue sur l'Esprit de la Fièvrie. Et vous pouvez noter ce légère amélioration sur le stream que maintenant, le chat s'affiche en bas de ce stream. Là-dessous, le chat. Avec un magnifique CSS fait par moi. Incroyable. Du coup, ils sont sur le sanglier putride, ils ont fait sur nanana. Peut-être encore en vie. Bah oui, ils sont peut-être encore en vie. Pourquoi t'y es pas allé? Trois heures diminuées. Ah, apparemment, ok, d'accord. Quand il y a ma situation, il s'ouvre un peu à moi. Oui, c'est bien sûr que le chat est en petit, Kalidon, parce que le jeu est d'une suffisamment bonne qualité pour qu'on le mette en grand. Voilà, c'est tout. Voilà. Après ça, je pense qu'en plein écran, plutôt confiant que ça peut être lisible. Alors vous imaginez le replay sur YouTube. Bim. Vous devrez pouvoir le lire. Effectivement. Je vais mettre le stream en plein écran pour que je me rende compte si vous pouvez bel et bien le lire. Ok, il faut de bons yeux. Il faut de bons yeux. En effet, après, c'est le mec qui voit pas en couleur qui nous dit ça. J'augmenterai sûrement la police d'écriture quand même. Pardon, je suis mais. Le mec qui fait son évangile, là, me dit oh, on a une faction. Pourquoi tu suis raison du berserker dans l'éclair 1 hein? Vas-y, pourquoi? Vas-y, justifie-toi toi aussi. Et t'aimes pas la technologie? Ouais. Vu qu'on a plus l'IA pour prévoir un espace chat, ça pourra éventuellement se faire, ouais. Il faudra que je revoie avec toi, The Creator, pour le layout. Parce que le cadre qui tient le jeu est pas tout à fait en 16/9. Du coup, c'est pas très très simple. Mais on verra ça. Du coup, je dis simplement que je m'intéresse pas aux factions pour le moment parce que. I have no interest in factions. I cannot decide whether to join a faction out here. Bon, vu ton commentaire n'est pas très pertinent, je vais te laisser, je vais passer en mode.
Très bien. Bah, merci d'être passé et à tout de suite. Et de rien. À tout. À tout. Rentrons dans les ruines, mon ami. Rentrons dans les ruines. Dépend de toi. Peut-être de partir, oui, ça veut rien dire, c'est pas grave. Would definitely be safer to bypass them for now. So, what do you think? Shall we risk entering the ruins? Allez dans les ruines, mon grand. Let's go into the ruins. Allons sauver ses amis. Brave choice. Opportunities are there to be seized. Vous venez de progresser d'un niveau. Ouvrez votre oxygénateur en appuyant. Professeur et dépensez. Those clerics should be around here somewhere. Pour mon grand doute. Alors, je peux. Et ma force. Qui permet en même temps que pour la version 4 tiers. On pourra. La force, ok, la constitution. Condition physique, l'énergie vitale, la dextérité. Dégâts à distance, oui, c'est pas trop pour moi. L'intelligence. La mana ou la puissance. La rue. Ça augmente le social. Ça écoute. De faire un mec max le charisme, bah c'est plus ou moins ça, mais je vais pas le maxer. Faire un mec balèze et astucieux. Ouais, je vais plutôt faire ça. Appliquer. Alors là, on a des trucs. Pour l'apprentissage. Ok, vas-y. Apprends-moi à me battre avec arme de corps. Ah non, pour ça, il faut un prof du coup. Là j'ai un pantalon gris que je vais compresser d'équiper qui augmente un peu mon armure. Suivre du reste dans les ruines. Ok, vas-y mon grand, je suis avec toi. Et du coup pour répondre à ta question, à Kaliel, quoi cette boule blanche. Je ne peux rien lui faire. Et oui, on... J'arrive mon grand. Clairement entendu du bruit derrière moi. Et clairement du sang par terre. Are you ready to go on? Oui, alors. Oh la vache! Il est tellement puissant le machin. Me sentais à diminuer. Oh la vache! C'est ridicule! Non! Préparer LT une attaque ou l'esquiver, souvent votre propre attaque. Ah, très bien. Vas-y mon grand, tue-le. Ok, moi j'aimerais bien en fait boire. Ouvrier à bouffe pour chien. Ouais, je passe carrément le clodo à bouffe pour chien du coup. Et bien voilà. Et bah ben, c'était un très bon jeu. Hein. Merci d'avoir suivi les streams infinis. Ok, donc les mecs sont clairement overpowered dès le début. Je sers à boire là. Et je tire surtout des... conclusion de mes expériences passées. Je sais pas. Peut-être que les ruines étaient peut-être pas une si bonne idée. Très bien, donc. Je crois que peut-être bien que si. On va quand même y aller. Are you ready to go on? Non, je suis pas prêt à go on en fait. C'est une mauvaise idée, maintenant j'en ai conscience. Okay. Je vais tenter à l'arc, peut-être que... Oh putain. Ok, non, lui c'est un ramassis. Puis... Ah putain, j'ai plus l'endurance. Allez mon grand. Laisse-toi faire, voilà.
Sinon, sois plus lâche. Oui, non, alors on verra. Attends, est-ce que. Comment je fais pour voir? Ok, juste appuyer ici. Ok. Alors, moi je le vois venir le machin là-bas. Hein. Are you ready to go on? Oh putain! Oui, non, d'accord. Moi j'ai peut-être. Ah, mais c'était. Merde! Qu'est-ce qu'il fait, mon bonhomme? Qu'est-ce qu'il fait? La caméra a été lockée. Voilà, on maîtrise. Ah putain, non, non, je te vois venir, toi, mon grand, là-bas. Oui, je veux bien que tu m'aides maintenant. Ah ah, il fuit. Oh la vache, Marc fait tellement plus de dégâts. Attends, je vais t'aider. Tellement pété. En coup. Non, je suis pas du tout ready to go on, mec. Un téléporteur, ok. Très bien. Let's go. Arme cléricale. We should get moving. Ah, une hache rouillée. Bon, bon, on va peut-être pas dormir maintenant, enfin. J'aime bien le mec qui fouille la ruine alors que je vais essayer de le faire pendant ce temps-là. Moi, je. La propagande. Et pendant ce temps-là, moi, je pique un petit roupillon. Pique le PQ d'éclair, mais c'est pas grave, ils ont. Alors, au niveau des armes. Arme cléricale. Prérequis. En fait, je peux pas m'en servir, c'est ça, très bien. Je crois que l'élixir que je ramasse, c'est de l'être. Let's go. Rapport de mission. Arme cléric. We should get moving. Oh putain, le dindon. Ça, c'est un mordeur faiblard. Allez, il a été mystifié le dindon. Il a pas su quoi faire. Le coffre. Petit poisson. On va tout prendre. Je sais pas s'il y a une limite de poids que je peux. Bon, je prends vraiment le monde. Are you ready to go on? These ruins look like they were some sort of machine shop in the old world. You know about the old world? Only what I've learned on my travels. Ruins and wreckage. The old world is irrelevant. Irrelevant? Je crois que j'ai disparu du même. Alors il y a peut-être un petit bug. The berserkers want to grow the world back to what it was. The other factions pick through its bones. Les berserkers sont les écolos de l'histoire. Peut grimper ici. Rigoler. Une liasse de thunes. Un bréviaire du clair. Petite terre d'énergie. Et une radio encore. Terre d'énergie. Alors moi je vais juste un coup d'œil. Écolo type Légion de César, possible. J'ai pas été assez loin dans Fallout Gas pour répondre à cette question.
Ça, son mec. Ah putain, mais en fait, il y a une. Une chier de capacité. Objet. Torche. Ah, et là. Là, c'est une prière très. Rapport de mission des. On l'offre. Alors, notre mission de propager la foi. Notre voyage a été long et difficile. La forêt, il y a des créatures terribles, dangereux, très bien rencontrés les habitants de la forêt. Ils ont pas oublié. Ces terres étranges paraissent avoir leur propre religion. Un culte primitif ni la vénération des. Très bien. Morceau de carte, ok, c'est ce là. Et le rapport de propagande. Très bien. Arme clientale, mais pour. Émission, on verra après. On parle. Est-ce qu'on trouve Claire? Find clerics in Etan. All the factions come here. For intel, for resources. We all take from each other. Très bien. At least it's just raids from the clerics for now. There have been wars in the past. Donc les clercs sont quand même un peu agressifs. Like there are some clerics who want to repeat those mistakes and take us back into open warfare. Attends, je regarde rapidement. Il n'y a rien par là-bas. Alors, une arme clérique. Marchandise. Pour celui des débris pas très rassurant, hein, je vais pas vous le cacher. Voilà, j'ai quand même. Et ce point. Ouais, il y a... Ah, ça va être le téléporteur, ça. Bon, bah écoute, mon. Here, I found these. Helix technology. It's forbidden to berserkers. Officially, you're supposed to hand it in when you arrive in Goliath. But that'll be your choice. Just don't go flashing those weapons around when we get back, okay? Some berserkers are really strict okay. About the laws. Others peut-être la garder pour le moment. Lenient. You see, we leave the albs and clerics to rely on machines. In pas trop pourquoi je voudrais leur filer. Ah, mais vous, c'est la magie, ouais, non. Bon, let's go on to go. Il va, mon grand. Right. Follow me. You say there were albs in this area. How long ago was that? The raider crashed a week ago. It's been quiet since then. Alors le, enfin le chasseur, c'est moi, je crois. It feels like something serious is brewing up there in Zaycor. And that's bad news for us all. A tous vu et qui se barrait par là. A tous, c'est pas. On tous quand est-ce qu'il va me revenir sur la tête. Ouh, pizza, pizza, putain. Tout va bien. Tout va bien, je savais parfaitement ce qui se passait, hein, c'était une pétrie. Oup. Crénom, crénom, crénom. Ah putain, j'ai pas de... Ah oui, en fait, il veut pas m'aider, là. Et alors let's go, let's go. T'as vraiment pas envie de me filer un coup de main. Ah bah le vrai pote. Ah putain, j'ai plus d'endurance. Voilà. C'est parfaitement maîtrisé comme combat. Ok. Merci pour rien hein, connard. Sympa le mec. Oui forcément quand il y a des petites saloperies que même moi je peux tataner, là il y a du monde pour m'aider hein. Moi je crois vraiment que je pourrais revendre toute cette viande ou la manger. Torche, il y a peut-être une.
Cette drogue. Cette chute. Un paquet de clopes. Voilà, il y a 3 points rouges sur la map. Are you ready to go on? Ouais, en fait, on va pas rester. Hein? On va peut-être un peu pas rester. Alors éventuellement par là après. Ouais, oula, oh. Vas-y mon grand, t'es le meilleur. Bien joué. Je suis content de t'avoir aidé. Car oui, j'ai un jetpack. T'as vu au début, j'ai récupéré un jetpack. Ah mais t'approche pas de Goliath. You should be able to make your way on alone from here. Merci mon ami. Ensuite le choix t'appartiendra. So I can just leave. Parfait. I want. You should try to get a better weapon and some armor before. Meilleure arme, ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord, peut-être une meilleure arme. See what we can offer you. What happened? Je suis plutôt hypé par une meilleure arme. They try and kill us, so we kill them. Except the Separatists, a group of Alves that has broken away from Zayden. Les Alves séparatifs, ça peut être. Maybe they can be allies. You think the Separatists? Ouais, je pense pas. Enfin, mon gars, peut-être pas d'un esprit séparatiste. Maybe the Separatists want to join the free people. Maybe they're just another threat. But I'm sure that together. We can defeat the Alves, but for now, the Separatists are outnumbered, without friends and defiant. They're already finding life is hard out here if you haven't joined one of the factions. That makes them. Il y a vraiment une sorte de d'endoctrination avec ces factions, c'est assez terrible. They're suspicious of everyone. Well, we have reached Goliath, but this is only the start of your journey. Look for me once you've settled in. You'll find me up at Warlord Ragnar's stronghold at the top of Goliath. Exactement. Un niveau, vas-y. Je crois un niveau. Ah, regardez. Ah, ok. Et puis, bah écoutez, on va continuer à. Alors, un peu la force et la. Moment. Peut-être que je vais pas appliquer avant tout ça. Peut-être pour ça que j'étais une. Du pain, du cultivé. Et un TP. On va s'empresser d'activer. Et qui nous confirme donc bien que. Il nous confirme donc bien que les points violets sur ma carte sont les TP. Ah. Le fond de pluie est pas forcément présent selon la. Drogue. Name of the Hooded Crows, and with a power invested in me by the warlords of Goliath, I hereby challenge you to state who you are and what you want. You should know that Goliath is eternally vigilant in its search for Alves. Tu vois ce qu'il y a que je dis, je suis sûr de pas dire que je suis. Duras qui m'a. Oh, you're one of Duras's handmaids. J'ai peut-être pas une recrue. You better think about reporting to Ragnar. Or one of the other warlords when you get in then. They'll check you're not an Alb spy. Alright, alright. You can go in. But all weapons must remain sheathed. Start anything, and a paladin will turn you. Oh, paladin, j'aime bien. And you can say, oh, le paladin, je cite. Duras guy hadn't sent me here. Oh, and don't steal anything, or flash technology around. I don't expect any more or less from you. Understood. Ouais, donc pas de technologie, pas de frime. Les freux, qui sont-ils? Je crois qu'il y a probable, enfin à première vue, il semble y avoir un lore assez développé quand même. Nanana, tous ceux de l'intérieur ou de l'extérieur. Par contre, je peux pas passer les dialogues. We stand as guardians for fairness and justice, equality and order.
All who wish to join the berserkers must answer to Ragnar. Who's Ragnar? How can you not have heard of him? Nouveau dans le coin. Ragnar the Fierce? Ragnar, son of Bajar? Oui, ça peut être le fiche comme nouveau dans le coin, du coup. Literally, he lives up there in the ruins from the old world. Ok. J'ai un peu la flemme de l'écouter parler pendant trois plombs, mais en même temps, il sort sûrement des trucs intéressants. Oui, Ragnar. The great pilgrim and master of all magic is away on retreat. Ragnar, warlord of the Hooded Crows, is in charge. Warlord of warlords, mighty and just, he is an example to us all. Un exemple. Knocking on his door unless you're serious about joining us. But you might get lucky and see him in the lower quarter. He likes to keep an eye on things personally. Right, got it. That's why je vais peut-être pas frapper à sa porte directement. You better join us and not the outlaws if you want to live. Follow the laws, impress people, and Ragnar might see fit to let you become a berserker. Break the laws. Ouais, mais les berserkers c'est écolo magicien et j'avoue. So, your leader Thorold is not in the city. Tellement louche comme question. Master Thorold, the pilgrim, glorious, great and wise, has gone into retreat. There he sends answers. From there he will return to bring us victory. He will return as soon as his mission is successful. Until then, he has given Warlord Ragnar command. Okay, I've got. Ah, je peux passer le dialogue. Du coup, vous attendez des problèmes, non? You're expecting trouble. Le mec il accuse tout le monde dès le début. Les mutants. Mais don't worry, you'll be safe here. No albs getting past me. Is there somewhere I can stay in Goliath? Bon, si aucun albe ne peut passer, je serais peut-être mieux de faire demi-tour, non? Try the lower quarter. There's room there for honest men. Pay your way or work for your stay and you'll be welcome. We are the protectors of Magaland and we welcome all free people. Ok. So, what can I do during Allez. My stay? Can you handle a weapon? Yes. Then you'll find work. We're short of people since the attacks began. Ah, mais un soldat. This place doesn't sound too safe. Where is? With the Alps looking to tear down this whole world. You're short of people? Everyone's lost people to the Alps. Ah, saleté l'Alps. Warriors. They're all looking for more hands. You'll need to earn your place. But there are tasks for all hands, and the shards to pay for them. Ah, enfin la monnaie, c'est important la monnaie. What else are you going to use? Everyone uses Alexis's money. Non, ça, les Alexis, c'est donc de la monnaie. You'll need Alexis, a decent old world scrap if you want to make a deal. Parfait, j'ai épuisé toutes ces sources de conversation. Pardon. Peut-être pas trop que je fasse le coup avec mon jetpack, moi. Je sais pas s'ils apprécient. D'accord, on parle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, pardon. Donc, c'est interdit. Par contre, je peux prendre ce marteau. Là, c'est pas interdit. Bah écoutez, visitons la ville, hein, tout simplement. Là-bas, il y a un gros cristal rouge qui m'intéresse. Oh, une plante. Hop là. Je crois qu'il fait un truc, ce machin. Là, je prends un peu de hauteur pour mieux voir les environs. Notamment la vallée. Bon bah, il pleut, hein, ça, ok. Alors quand je regarde là, là il y a de la pluie. Ah, plus de pluie. Pluie. Plus de pluie. Pluie. Plus de pluie. Voilà. Du coup. Hop là. Ouh, de la feuille des trolls. Et grosse catapulte. Bonjour, elle dure. Non, désolé, je... Shit. 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 Shit
on a stick. Send Eldron. Semble pas très content. Put Eldron duty. But don't think which furry ass pinch dick you're gonna send to back him up. Désolé mon ami. Je vais en parler à ton chef. D'accord, donc tu peux prendre des trucs qui sont interdits. Je pense que tant qu'on ne chope pas, tu peux. Tu peux dormir. C'est toujours bon à savoir que... Bon, par contre, j'ai l'impression qu'ils apprécient pas que je rentre dans la maison. Mais écoute, je pense qu'on va... Peut-être aller parler au chef, je sais pas trop quoi faire d'autre à vrai dire. Ah bah regardons dans mes missions tout simplement. Mission, contact des soldats, patrouille dans la région, ils pourraient m'être utiles, ils pourraient signer ma présence. Oui, la rencontre des Alpes, mais si la rencontre des Alpes, j'aurais peut-être les combattre, très bien. Les séparatistes sont les Alpes qui ont quitté, ils continuent de prendre, certains veulent arrêter de construire l'Alex, d'autres des hybrides. Oh, les informations sur d'accord. Ok. Comment déroler? Dérober, bah ça c'est ce qui m'intéresse. Ah oui, mais parler de Ray. Yeah. Le berserker semble ne pas me reconnaître et veut aider les gens. Dans la il pourrait m'être très utile. Ok, donc j'ai méga passionnant pour le moment. Du coup on va plutôt essayer d'aller voir le chef. Où est ce Ray? Ça c'est les ouvriers. Ouais, on peut pas parler, j'ai compris, pas de soucis. Hey, est-ce que vous êtes là? Y'a personne. Alors c'est bien sympa de se balader comme ça dans une grande ville, on voit que c'est un monde ouvert et tout, mais bah, c'est encore plus sympa quand on te dirige quelque part. Non? Je sais pas, moi j'aime bien les directions. A votre avis, si je saute là-dedans, je meurs ou pas? On verra ça plus tard. Ok, ça sert d'être la rue marchande. Et guerrière, vêteur, cultivatrice. Bonjour. À vous. Papa, merci de l'accueil. Because unless we get help, I don't know how we're going to keep feeding the people we've already got here. They are supposed to be able to conjure stuff up with their magic, but can they do that with supplies? Can they magic up the food we need? No, they can't. It doesn't sound like you're getting the help you deserve. Don't pretend like he feels sorry for me. People like you are only interested in the power that comes from magic, not the problems of common folk. Then, what does magic do for me? J'ai un peu l'air d'un clodo. In any case, I won't let myself be deceived. Even if our magic aime-toi, t'es un vachon plus chez moi. What is out there, it is no replacement for a full stomach. What do you have to trade? You can take a look at our stock. Voilà. The selection is more limited than I'd like, but it's what we have. Parce que l'accueil est vraiment charmant. Besieged by outlaws, alps, and we're still pen-pushing bureaucrats. I could offer you more. Vraiment charmant. Parle-moi de la situation, ma grande. Je t'écoute. That depends who you ask. I'm sure there are some who don't notice how hard it is for everyone at the bottom of the pile. Oh la vache! Charisme 4. Tu peux vraiment la drailler? Quelque chose trop faible. Ah. Attends. Stop messing around with that technology, will you? Comment je fais pour bourrer le charisme? Pas ça. R. Assure. Personnalité. Pas dans personnalité.
Quand j'ai vraiment fait de la merde, et en fait c'est au tout début là. Sauf que là il n'y a pas de charisme. Or si quelqu'un a vu le charisme, si. J'avoue. Perdu le charisme. Comment est-ce qu'on boule? Parce que bon, me dire qu'il faut charisme 4, c'est bien sympa, mais je sais pas. Eh ben, je sais pas où est le charisme. Ah, perdu le charisme. Et vraiment, si vous savez où est le charisme, je veux bien que vous me fassiez signe parce que là. Je sais pas. Bah écoute, on va juste parler normalement. Voilà, elle va me faire une cartographie complète du coup. Ok, donc apparemment, il y a un clan du coin à les tataner. Bamba. We'll be living on hope and fresh air. Then, why should you care if our warlords don't? Je peux peut-être t'aider, ma grande. You? Well, I'm not one to turn down that sort of offer. My only motive is to keep people fed. If I'm going to achieve that, I need someone to talk to Angrim. I need someone to persuade him how serious the situation is. These warriors seem to think that fighting is the only thing that matters. But let's see them try fighting when they've not eaten for a week. Can you tell Angrim that's how bad it is? That if we don't start getting boxes of supplies, then the only thing he has to eat is boxes. Bah oui, mais du coup, je comprends pas. Charisma égale personne. Stop messing around with that technology, will you? Ah oui, personnalité skill tree, d'accord, donc c'est. Et ça. Alors, si je bourre des points d'attribut là-dedans, ça me fera 4 points de charisme, d'accord. Ok, on commence à comprendre. Merci, Kaidon 2. Maître Toral, oui, non, c'est celui qui a pris sa retraite, ça. Oui, on va passer un peu. Il s'est retiré du monde. Et très bien. Je parlerai de toi en Grimbe, car bon, ça te tient à cœur. Merci. My hunters are doing their best. But we can't get by without those food supplies. Je m'en occupe. Ah, oui. Apprends-moi quelque chose. Il y a peut-être moyen de faire uniquement ce truc. Donc là, ça me permet. J'ai droit à 2 points d'apprentissage, de les mettre quelque part dans. Dans mon charisma skill tree. Accord du métier, 10 points d'attribut. Rapport plus écrit. Rapport plus. Des trucs. Alors, je suis remise. Contre la valeur de combat. Ah, mais en fait, j'ai pas les prérequis. Compétence d'artisanat. Et. Ah, augmente le charisme. Super chelou. Apôtre, très vite. Évidemment, on peut l'attaquer. Accord d'emploi. Juste un bonus à la durée des effets magiques, off, au corps à corps,
Du genre, si ça qui sont en fait, mais d'après ça, je peux rien faire parce que j'ai déjà pas si une. Ok, donc j'ai clairement trop bas level pour. Can we trade? Look around. Tell me what you pour faire des trucs. Ok, donc là. De hachrouille. Ok, là j'ai récupéré. Ça, c'est de la merde. Cam Lot, renforcé. Du coup, je passe à Cam Lot, ça veut dire. Enfin, rien. Dans le loot, je vais garder ça pour le moment. Garde. Voilà, il y a beaucoup. Il n'y a pas la grime par hasard dans le. Oh putain, il y a un feu. C'est vachement cool. Et je suis pas sûr que l'aération soit tip top dans cette. C'est même étonnant que je sois pas mort d'asphyxie. Ah. D'accord, donc. D'accord, apparemment les mecs aiment vraiment pas que je sorte mon brassard électronique devant eux. Juste des missions. Repère sur la carte, vas-y. Ok. Bah écoute, je vais mettre un repère déjà ici. Faire quelque chose. Ok, je crois que j'ai trouvé la taverne. Bienvenue chez Berserker. Les traditions sacrées. Jamais avoir un verre vide. J'aime cette tradition. Raconte-moi ton histoire, étranger. Is this your tavern? It is indeed. Tavern, home from home, resting place for the Berserker. Tu veux quelque chose à boire, vas-y. C'est la tradition. Donne-moi une bière. 10 CC. Au fond du mur, c'est une bière. C'est... Oh putain, non, pas 34, une bière. Ah, les berserkers, ils déconnent pas. Donne-moi de la bière. Voici mes 34 bouteilles, aventurier. Dis-moi, mon grand. Eden est différent de son rôle où je suis allé. Eden est différent de l'autre place. Eh oui. Well, there you have me beat. I've never left Eden. Jamais quitté Eden. What I've been told, the comet scorched the ground and what didn't die was poisoned by Elex. It's only here that the world. Y a qu'ici que le monde repousse. Generations of berserkers have worked hard to make this place. Par contre, le doublage est vraiment très bien. The other lands should be welcoming us. They should be begging us to come and heal the world instead of attacking us. Tiens, parlons des Albes. Comment les Albes? Plan plutôt important, le coin. Ah, Kallax. Lui, il m'intéresse. Kallax. Parce que c'est clairement mon frère, ce mec. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est mon frère qui m'a tué au début. Et qui m'a sûrement volé ma thune. En plus, tavernier. I don't really get any news from past the first border region up there in the highlands of Abessa. There's not many berserkers prepared to venture far into the icelands. Hardly anyone who's seen the ice. Il y a peut-être un glacé. Il y a sûrement quelqu'un qui y allait. Dis-moi tout. Tavernier. There were a few warriors, but we lost them in the last attack. Tac. Bon, parlons un peu de sa culture. What? You think you can't kill someone with a sword? You don't need Elex weapons to survive. You ask the elves. Their technology against our magic, and they're the ones in the ground. Eh oui, l'épée bat la magie. Just got lucky. Ha! Are you one of those people that looks at a shiny gun and thinks it's progress? Elex rots whatever it touches.
Look at the Alps. They might as well be mutants. They're unnatural. L'armure de cuir ne peut pas arrêter les armes à énergie, et c'est vrai. Oh, of course it can. It's magic. Nature is magic. Real magic. Took the comet for people to realize that. So, that's what we do here. We work with nature. Nature gives us mana. Je voudrais me dire que j'aurais peut-être pas dû maxer. J'ai parlé des batteries. J'aurais peut-être pas dû maxer la force au début. Là, quand j'entends parler, je suis attiré par le côté flingue. Et. J'ai pas envie de la magie en fait. Peut-être que je préfère flingue et force. Ok. Il y a des gens qui parlent très fort par là. Comme je vous rendrai à vous. Bien oui. Oh, il y a une personne qui a fait des petits pas de danse là pour me. Pour me provoquer, je pense. Et bah alors, l'ami. T'as voulu me défier à un combat de danse? Tu fais moi le malin maintenant, hein? Et ouais. I won't accept that. I'll catch up with you again later. Ok. Oh, Born, il a un nom. Il est sûrement utile. Tu cherches quoi ici? Bah, je fais que. Et en fait. Je cherche un objectif à ma vie. Je sais pas quoi faire. Here you can see what our world once was, and what she can be again. But tread carefully whilst you're here. Some of the plants we're cultivating in the seedling farms are fragile. Damaging them means exile to the Valley of the Damned. So I'd watch your step. It'll make life easier all round. J'ai pas lu. Life is a lot more comfortable here in Goliad than out in that valley. J'ai pas lu ce que je vais pas endommager. What is a supervisor? Comment un superviseur? Someone who has already worked so long at a job that people have decided they are better organizing people than doing the act. Très bien. What's a seedling farm? We grow a lot of different plants here. Specimens of all the types we can find. But of them all, the world hearts are the most important. For where they grow, all life will follow. That's why these plants get their own fortified defenses. If you would like to see the work we do, you are welcome to visit us. Bien, assez curieux, à vrai dire. Stay to become cultivators. We always have space for more people willing to dedicate themselves to Magala. I hope you find your place here. So, I have to go. Bon, honnêtement, le mec, enfin moi, il me hype bien quand même. Mis à part leur côté, la magie, c'est incroyable, et les flingues, c'est de la merde. Je les aime bien. Par contre, ces cristaux rouges, quand même. Là, bah, écoute, on va se... par terre, hein. Are you looking for something? Pas de maison, pardon. Bonjour, Laura. Je connais pas lui. Je vais pas prendre ça. Je parle à Jura. Qu'est-ce que tu caches? Rien. Ah. On va aller jouer franc jeu, hein. I've seen several. It's Elix technology, and that sort of device is forbidden to berserkers here. Ça tombe bien, je suis pas un berserker, mec. Oui, bah, je suis étranger, je viens de passer. Et en plus, c'est un implant. I'm not carrying it. It's an implant. An implant? Well, that gives you a reason for not removing it. Merci. Well, you don't look like an owl. Too much color in your cheeks. Too much shine in your eyes. That and you've not tried to kill me. Still, best you know that should you find any other Elix technology on your travels, you should take it to the pit for disposal. Ouais. How do you get anything done about technology? We haven't rejected technology completely. Nous sortons très bien sans elle. Une vie propre, elle a un comète, ici. Voilà un millier, nanan, récupérer la technologie, nous extraire des Elix dans la fosse.
Faites, vous êtes comme des Albes, bande de traîtres. Those monsters throw people into their converters. We are the soul. You will find our healers on the upper ring. Ah, donc apparemment ils se servent de l'Elex. Ouais. Pourquoi vous en débarrassez? Paradoxe d'Amrek, célèbre philosophe. Et pourtant ils ont également le remède. And hope we can win the race against those who would use it for destruction. You could help us with that. Oui, bah, ma foi, ça se. You want me to collect it? C'est une raison commune. You must have seen that monster made of metal that sits on the horizon. Je l'ai pas vu honnêtement. What about it? The Albs built it to refine Elix here in Edan. But our machine is a thing abhorrent to nature. Amrek's paradox. Oh, cette horreur transforme-la en magie. Je vais faire ça. Et puis on peut faire ça. And if I get caught bringing Elix into Goliath, you have my absolute word that this is official business. Ouais. I told you, we need this. Amrek and the Pilgrim agree. La magie, le remède de la nature, la technologie, c'est. Technology, it's curse. The world hearts will purify the land. It's up to us to tidy up the mess that the. Ok. On va dire oui pour le moment, ça me donne un truc à faire. Great. Last guy we sent disappeared. D'accord. Merci. C'est motivant ce que tu me dis là. C'est vraiment très motivant. Ornir, t'as un nom. Oui, je viens d'arriver. Je pense qu'on nous va. Bon. Bah non, les lois, c'est fait pour être suivi. Strict. It's time you had an education. Non, de façon, une question. Pas le rapport. En effet, je suis pas un des autres. Il est futé, le bonhomme. Dire que je connais vos lois, c'est un peu excessif, même. Alors déjà, qui tu es pour commencer, hein. Oh, lui, il a fait un truc. Not everyone understands what we do here, particularly in. Ah, c'est louche. But as Amrek said, technology is seduction. Amrek a dit beaucoup de choses. Et du coup, t'as besoin de quoi, toi? I believe I saw someone in the pit. Then he escaped. He's sort of. Près de la porte, hors la loi. I'm only guessing, but if it is really. Peut disparaître. Parlons aux gardes, ils sont loin, quoi. If that's a real outlaw, they couldn't deal with it. They're not. No, I wouldn't want to put them in danger. Ouais, alors j'ai fait défoncer par le premier sanglier qui est passé, hein. Why would an outlaw be. Stealing, of course. Il faut revenir d'accord, donc les relais sont les. Oh, j'ai compris. Worthless to us, but an outlaw. Et si. So. Eh, non. I'm a technical expert. Angrim wouldn't want me to endanger myself. M.O. I mean, if he was a piece of technology, I'd be there. The Elix would be out. The law. Look, Angrim's already watching. He hears I've been. What exact? Kill him. I'd recommend you do it from a distance. Don't. I'm certain. J'ai pas forcément envie d'aller buter sur la loi parce que le mec a. Oh, une voiture! C'est la fosse! Trop cool! Cool, là j'ai trop. Là c'est. D'accord, ah oui, donc en fait il y a des plages. Okay. J'hésite vachement à sauter dans cette fosse pour voir ce qu'il y a au bout. Herbe des.
faire une lampe. Pardon, mon. Cam. Je suis clairement en train de sortir du village. Et t'ouvres. Tiens, regarde, t'as tes connards. Vole. Du coup, bon, bah, demi. Ah, là, je crois que. Par là-haut. J'ai rien commis pour le moment. Ah, Ragnar, salut. Oui. Oui. Très bien, je suis ni l'un ni l'autre. Un émissaire, mais pour moi-même, quoi. Pas de dungeon. Que je viens pas du coin. Non, ta visite ici de très brève. Oui, les sous-titres français sont pas ouf. Voilà. Enquête, c'est ça. Everyone who wants to move freely in my city must contribute. So if you want to be tolerated here, you must follow my rules. Si vous voulez. These rules are very simple. If you harm the berserker community, ah, donc, si je suis un con, je le paye. D'accord. Serve the community, you will receive. Si je suis sympa, ça se passe bien. Oh, ça va. Pas trop extrême comme loi, je vais partir. Est-ce que c'est clair? Oui, bah écoute. Yes, correct. The quicker you understand, heed my advice, and you will find the berserkers. Is there any? Alors, tu penses pas sûr pour calme. Supposons que je vous aide. Yes. What kind of special tasks would you have? Voilà. Special tasks? Why would you figure that I need some? Because I. Ennui, bah oui, oui. Passé. Oh, je vais même faire une petite phrase philosophique. T'as pas aimé. Pardon. Non. Très bien. Bon, c'était pas malin. But it also takes guts to confront me. So you really want to help us out? Yes. Oui, je peux vous aider. There are many things to be done. Our people are dedicated. We still have supply shortages. Food, medicine, machine parts, and other equipment. There are too few cultivators in the fields. Speak to the people here, and they can tell you where your skills are best used. Okay. Earn their trust, and you may. And if you're planning to join us, then I will have a. Alors doucement, j'ai pas envie de rejoindre les berserkers directement. Looking to join us to climb the ranks. Et du moins. Écoute, juste pour en aller. Au moins, j'ai trouvé Ragnar. Donc là, si je suis. Je suppose que je fais. Rime. Lui qui m'intéresse quand même pas mal. Eh, hey, je suis en plus. Quoi oh. Alors. Ah. Est-ce que c'est vraiment le coup de les déranger? Nothing we can do will end this war. Someone has to do something. Doing the same thing again and again. It's insane. Oui, again and again and again. Oui, quoi, Stormson? Prendre des risques. Come with me.
I need someone to watch my back when I go look for some supplies. And I know I can lui faire confiance. I can't leave. Et elle ne peut pas partir. Tellement de blessés. You patch them up. I want to give people a chance to fight back. Bon, je vais un peu la flemme d'attendre qu'il termine. Ah, pardon. Non, là, ok, donc j'ai interrompu. My bad. Je m'en vais. Est-ce que c'est vous, Agarim? Et qui c'est toi? Did you know there were some weapons brought back here to Goliath? Energy weapons taken from the clerics? Peut-être. Interested in getting a look at them, if you know. How I could get a chance to do that? C'est louche. C'est très louche. And if I did know something about them, that would be good for both of us. Listen, what I need is some help. Let's be straight. You recently tracked down a pair of cleric weapons. Peut-être. Is that an accusation? This is a small town with lots of big mouths. There aren't really that many secrets. En plus, ils sont planqués sur moi, ça se voit. Have you given those weapons over to the pit? Or do you still have them? I know some people who would be happy to pay for them. The berserkers don't want them. The clerics. Les clercs. Et c'était. Même louche que le mec. Me? No, no, I'm no traitor. I just know some interested parties who would like to get hold of those weapons. Bah, il est louche, lui. J'aime pas trop Bertram. Grateful for your help. You'd be making some useful friends. Friends? You mean you're a cleric, or you know someone who is. That sort of accusation can get someone killed, so don't go shouting that at me. I'm no use to you, Dad. Bah, les éclats, bon, une... Of course. I can offer you Alexit if you give la thune. And should you wish to learn more about technology. Je sais pas. À quoi penser? La toile me sert à rien pour le moment et puis Berserker. Bon, on va dire oui. Think of this as a finder's fee. Pas aimer ce... I'll make sure these get back to the right place. Pas qu'il ne va pas aimer cela. Peut-être mon pote Duras. You do know that technology is banned here. Oui, we'll oui. Later, yeah? Et madame Lac. En même temps, j'ai un sens d'orientation pourri, alors moi j'ai besoin d'une carte. Kaldrim, c'est à lui que je dois parler ou pas, je crois. Oh putain! Je crois que c'était de l'eau. Pour le moment, tu es plus berserker ou clair? Bah. Pour le moment, je suis plus ni l'un ni l'autre en fait. Dire un peu et à me dire quel rime. Welcome to the mana shrine. D'ailleurs, have you been sent here with a task? Oh ouais, non, lui ça doit être un magicien. Your healer. Ah well, you will find healers among perhaps. Alors bon, je suis plutôt ni berserker ni clair en fait. But we're in the habit of using it now. We cure Magellan from the curse. J'ai pas trop de préférence pour un des deux. We bring the blessing of mana. En tant l'éclair, je les connais pas. J'ai dit d'être un peu direct ou à lui dire bon bah vas-y. It sounds like you're saving our world. The only word bah, it's sympa. This is the mana shrine where Elix is turned. Et un jour, l'ex est tiré. D'accord, donc lui. Oh. Que l'ex, il fait. Mec.
J'étais attiré. Non, non, je vais pas. Non, je vais pas trop parler avec lui non plus, j'ai pas envie de. Was it a strange sequence of events that brought you to Goliath? Ouais, un peu étrange. Et un change to your life. You know you need to be here. Je sais pas si j'ai besoin d'être là, honnêtement. Amen. What good? Sure. De la truc. Voilà. Apparemment, j'ai pas beaucoup de prérequis. Moi, je voudrais voir du pain. Alors, où est. Car je suis sûr que. Fabricant l'armure. Ah bah voilà. Là, on commence à parler. Je suis tout seul long. Can I get some of this armor? I am only authorized to hand. À ceux qui le méritent. Très bien. Alors travailler. Pick your armor, choose your weapon, we can trade. Ok. Alors aussi je demande. Épée cornue. Et. L'armure de chasseur. Bah non, j'ai passé. Alors qu'une armure d'ouvrier, c'est un peu. Mais est-ce que si j'ai mis une armure d'ouvrier, je serais. Par les types du coin. Clé anglaise. Clé anglaise. Pour le moment, je crois que je peux avoir que des armes un peu pourrables, genre une clé anglaise. On va pas trop parler armure pour le moment. On peut avoir le mec qui veut rien. Pour nourrir son peuple. I swear if security had been this lax in the days of Eric Eisenfaust, we'd all be clerics. What are you seeking here, stranger? Safety? A new start? De péter la gueule. All those things can be offered to those who accept our laws. Oui, oui, oui. Who are you? La caméra qui dit. It is my duty, along with the other warlords, to ensure the laws are kept and the berserker way preserved. We offer protection to those from outside who understand that Edan is working to help Magellan. Stick to the laws, respect our ways. La même chose, je suis les lois. Show contempt and punishment. You will have a fair chance. Non. Mais on va aller directement au sujet. Cinda. Cinda. Is there another problem with food supplies? Oui, il y a rien. She hasn't received the resupply she needs and nobody seems. Je sais pas s'il y a un problème ou pas, mais en tout cas, il y a rien. Didn't Jora sort this out? Or has his failure to fix things become my problem? C'est qui Jorah? What does Jorah have to do with this? Jorah was supposed to have sorted this out. Once more it comes back to me. Oui, bah c'est toi le chef, mon grand, c'est. Then there won't be any more escorts for the deliveries. The last group I sent were killed by a troll. We haven't more men to lose that way. Oui, vite. Je sais pas si j'ai ça, c'est dire bah ok t'as raison on fout rien ou alors pas survie. A troll killed your men. Good men. I've fought beside some of them. Being eaten a lot, I'll not send more men to their deaths. Pas suffisamment. Cinda will have to deal with this problem herself. Ah bah bien, le chef des gardes. She called on one of the other clans for help. The Ison clan will no longer risk lives for fish and meat. Il y a même des clans chez les berserkers, putain, ça a l'air d'être un merdier monstre. Bon, j'ai pas envie d'avoir trop d'infos sur les berserkers. Marchand d'armes. Ah. What goods? Vas-y, dis-moi ce que tu vends, mon ami. Épée large que je peux pas manier. Je peux manier une clé anglaise.
vraiment tout. Au niveau. What are you doing with that damn technology? Niveau 3. Ah, mais non, je suis cuit. It is not efficient for us to talk. Acheter une nouvelle armure. Alors là, je me planque un peu pour utiliser mon truc. Terme de mythe. Allié du Moyen-Âge. Je veux gagner les éclats ou rejoindre les vainqueurs, l'aider à rétablir l'eau. Libre comme l'air. Je n'ai pas bien long si je reste seul. Il faut que je trouve une faction. Et. Hey Dan. Priez Jorah a besoin de place mécanique pendant. Alors oui, c'est. Livre. Ouais, bah écoute, on va aller parler à Syndra pour le moment, parce que c'est la seule. Ok. Je crois que si. Ah oui, je crois. Ah, pas du tout d'arriver du ciel. Un peu. Hop là. Bon, pour le moment, bah, je sais pas, le jeu est cool, il est agréable à prendre. Il se place bien, l'univers est joli. Mais, bah, pour le moment, je suis perdu en fait. Je sais juste pas trop quoi faire. C'est vraiment un clodo de l'espace et pas quoi faire. Parler à Angrim. Someone who is prepared to do bon. Something. Raison arrive quand? They won't. The men Engram sent to the valley are dead. And is he going to send more? No, wait. Let me guess. We don't have warriors to spare. Exactement ce qu'il a dit. Quelques. How does he expect me to get supplies if he can't? He's got a host of warriors he can assign. I'm one person behind a counter. Bah écoute, I could go for you. You? Well, I appreciate the offer, but if his men were killed, I can't ask you to. Bon, y aller, hein, ça fait avoir du besides, pays. It's not one delivery I need. It's regular supplies and a lot of them. If the ice and clam won't help, one of the others will have to. Would you speak to Ragnar, warlord of the Hooded Crows, or Cormag of the Hammer Clan? I'll have to hope that one of them can understand why this is so important. Désolé. Bah, peut-être qu'il faut obligatoirement choisir une voix. Le problème, c'est que pour moi, je ne connais que les berserkers et que la voix des berserkers me tente que moyen. Et je suis vraiment trop bas level pour trouver une autre voix. Ah oui. Ok, pour regarder mon point. Ah. Et donc, ouais. Comme je disais, la voix de berserker me tente pas trop et je suis trop bas level pour sortir extérieur pour potentiellement rencontrer d'autres personnes. Pas simple. Cormag ou Ragnar. Mais Ragnar, c'est pas le chef du village. Alors peut-être qu'en tant que chef du village, il est aussi content à lui. Pas savoir. Pas savoir, Charles. Bon, en attendant, on va faire cette quête. Hein. Ça semble être une quête tout à fait honorable. Non, right? Ah, puis aussi mon pote du Duran Duran là. Ah voilà, tiens. Grâce quand on parle du loup. You decided to stick around. Well, I've been given a job by a warlord Ragnar that I think might suit. Ouais, ben bah, je sais pas. Vas-y. Je t'écoute. Well, the task I have on offer should profit you and though it's not the best way to sell our community to you. Ça se présente bien. Demonstrate that we're open about things here.
You see, there was a murder committed just outside Golian a few months ago. A rather dedicated berserker named Asmus. Un meurtre. There's been an investigation, but no definitive answers as to why he was killed. So, Ragnar wants me to follow up and find the murderer. And what can I do? Well, I'm having trouble getting answers from people. Maybe an outsider will have more success getting them to open up. Officier de police. Would you talk to the suspects and see what they have to say? Vas-y. Tell me about. Dis-moi tout. Ascor. Il est nouvelle. Ragnar had a espoir, il était pas... missing around et il a dit 3 months ago. No one knew where he'd gone. Then one of Ragnar's patrols found Ascor's body. Il était retrouvé dans la forêt. Épée. Whoever did it was poignardé par une épée. But clumsy. They didn't find anything on Ascor. OK. Tu crois que... You're a stranger here. Let me. What kind? To be honest. Je pense qu'on va l'échec. Ragnar, against all the evidence. Okay. Me, I think it's a wild goose chase. None of Ragnar's questioning has thrown up any proof a berserker was involved in this. So, but if a warlord has an itch to scratch, then that means we have to go and scratch. Is this why you brought me to do? I brought you to Goliath to give you a chance. And this is a qui me rassure, il m'a pas mené ici. Il est son boulot. Ok. Et puis pourquoi il accuse ses propres hommes, Ragnar? Ascor was killed with a sword, and there aren't too many people who. C'est vrai qu'il y a peu d'autres personnes que les berserkers. If Ragnar's right, there must be someone who was outside the walls at the time. So Ragnar drew up a list of five très bien. No idea why these five exactly, but. Eh ben écoute, vas-y mon grand. Ragnar wants answers. Myself, I don't know if we'll ever know what happened. But, and who knows? Maybe one of them did do it. And bah écoute, je m'en charge. Pour le suspect, ça peut être utile. A group of people who were out there in the forest at the time of the murder. First on the list is Baron. Par un garde. As far as I know, Baron, c'est le premier garde qui on a. But I think the only real reason he's on the list. Then there's Thorgal. Thorgal, ça c'est un bon nom. Un cœur du monde, t'as dit ça. Je crois que c'est un mec qui fait enfin, le cœur du monde, c'est un chasseur. Et Rock. 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 Et il se travaille sur juste un de Goliath, tout le monde. Mais ouais, est-ce qu'ils me parleront, c'est peut-être. Remember, épée t'appartient. Where they were 3 months ago around Mana's Eve. Le crime était que. I doubt you'll get a confession. I doubt any of them did it. You'll get a sense of the men, and then you. Très bien, je fais un rapport. Ok, très bien, je les trouve quelque part dans le village. Merci. Bonjour, membre du clan Cormag. I hope you are being treated well. Goliath has always opened its doors to those who need shelter. But these are hard times, and war grows suspicions. As for me, I think the free people should work together in this war with the elves. Oui. Non. J'aurai des problèmes. Will I have trouble here? It will mostly be talk. People gossip about incomers. Ouais, c'est normal ça. Aide-les, bah écoute, moi je veux bien les aider. Ouais, mais arrêtez de venir l'un des autres, ça devient. Non. Qui es-tu déjà? Bien sûr que je parle à la bonne personne. Seigneur du clan du marteau. Ah, sa vocation c'est la magie. Ok, organiser le pouvoir de nos corps et affronter les machines d'éclair. Ouais, le clan du marteau, c'est la magie. Aux lois, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Quand les morts, enfin les lois, pardon, faut les interpréter. Repentir doit être récompensé.
Bien. Tu trouves donc que les autres sont trop sévères. Les berserkers sont trop harsh. Dedicated, not harsh. And sometimes l'aveugle et blind us to other ways of thinking. Just imagine. If we berserkers could enhance the renforcer les armes à énergie, les clairs, les explosifs, with the power of mana, who et oui. Now Angram would say that giving into technology would destroy us. But I wonder whether holding on to after. D'accord, donc lui il est plutôt pour les armes, apparemment. They said it was against nature. Now magic pour, is all trop, mais un peu. Whatever my thoughts, the laws we have now are the ones we must. Ok, très bien. Oui, tiens, s'il y a des problèmes entre les clans. Give any group a name and they'll use it as a cause for argument with others. Et but while there are always differences, anyone who gets that needs a swift drum. Ah, il y a not traitors. La détresse sont les fauteurs de troubles. Oh, pas bien. Use the law to silence anyone who thinks differently. I say they need to be convinced that our cause is best served. Oui. Très bien, j'adhère, Cormag. Oh oui. But it seems some people have. Bah écoute. Maybe they would listen to me. Perhaps. You could do me a favor and talk to Elder. He's been speaking out against the Eisen clan. But I'm not sure of the reason behind his anger. You will find him living with the other cultivators. Très bien. On va savoir quelques quêtes à faire. Cool. Oui, non, mais sinon, attends, parce qu'il y a quand même Cinda qui a besoin. Exactement. What can I do to help? She needs people to collect the food deliveries. I thought Angram had sent men to do that. Oui, mais Angram, c'est un peu une pute. Alors, je pense que si j'ai la première, le mec va carrément signer. Et dire, oh là là, c'est qu'une pute. Vas-y, je le fais. Là, je vais l'inquiéter un peu. Mais je préfère être honnête. The men he sent are dead. They were attacked by a troll. And more will die if our men aren't fed. Still, if Angram is worried about sending men, then there must be a real danger. I will send men to help Cinder. But if they're to go out there, then I want to improve their odds of survival. Ok, très bien. Oui. We recently captured some movement detectors from the clerics. They're being stored in the pit, ready for the Elix to be taken out of them. Get me one of those movement detectors, and I will give Cinder the help she wants. Isn't taking technology from the pit against ouais, un peu, non? Laws must be broken for ouais, j'aime bien, to be fixed. Ok, très bien. Get me that detector, and I will help Cinder. Ok. Those oui. Are my terms. Ok. How do I get past the pit guard? It's not for me to encourage the use of technology. But you could use those. Il a vu mon jetpack. To go over the wall and drop down into the gully from above. You'll have to scout it out to find the safest route. That would be a safer and more acceptable route than harming the guard. I'm sure someone as resourceful as you can figure something out that avoids bloodshed. Oui, sur le coup. Teach me something. Apprends-moi quelque chose, Sensei. Sachant que j'ai toujours pas assez de points. Ah, je peux maîtriser un peu les grenades. Honnêtement, je me fiche un peu de maîtriser les grenades. Ok, ça commence un peu à prendre forme. Je vais quand même aller voir l'autre, Ragnar, au cas où. Voir si c'est vraiment un mec aussi con qu'il en est là. J'ai rien fait. Un téléporteur. Comment on fait pour. On est obligé de rentrer par la porte. Ça change de lourd. Voilà. Hé hey, Ragnar! Cinda m'envoie. Oui, exactement. Oui, mais le clan Eisen, c'est un peu une pute. On l'appelle dans le milieu. Oui. Yeah, merci pour rien. Un brave mec, ce Ragnar. Nous allons donc braver la loi. Nous allons aller jeter un coup d'œil à la faute. Tellement un truc. Voilà, j'en suis sûr.
tellement chiant. Oui, alors. Et vu le changement d'ambiance sonore, je me dis que là en fait ce qui se passe c'est que je suis sorti. Pas juste retour. Hop là. Un journal. A diary. The cover says it belongs to Crawl. Ah, lots of written pages, but I don't know what to do with them. Là, ma foi. Et c'est sûrement un endroit où j'ai... Dans les cas, s'il y a quelqu'un qui me voit, bah je m'en... À côté. Ok, ça peut pas déranger, très bien. On reprend, nous disons donc, direction la fosse. Oui, alors j'ai pas guetterie de votre technologie, mademoiselle, hein. C'est ma technologie, à moi. Utiliser le feu de camp, c'est-à-dire... Je peux préparer de la viande frite, je peux en préparer 9, vas-y. Parfait, j'ai fait cuire ma viande. D'accord que la fosse par là. Et apparemment je... À la fosse est... Oh la vache, je crois que j'ai tellement failli mourir. Passer par là. C'est le mien. Tellement le mien. Mon ami, que fais-tu là? Survival Protocol 7. Commander presumed dead. U4 unit attempted return to repair station. But instead you were found by the berserkers. You're lucky you haven't been dismantled for your Elix. Are you able to come with me? System error. Failure of. System error. Ouais, qu'il est mal barré. Identify system error. Analyzing. Minor damage to primary systems. Defense system and weapons are offline. Primary control system impaired. Can you repair yourself? Analyzing. Negative. No repair possible at this location. Yeah, that would be too easy. Oui, tiens. Et quoi, mission? Primary goal.
locate and secure Thorold, highest leader of the Berserkers, known as the Pilgrim. Mission status failed. Thorold, le oui, bah oui, oui, c'est. Secure data describing transmutation process of pure elex into mana. Yes. Mission status failed. Tertiary goal: scout Edan for weaknesses in the Berserker defenses. Mission status failed. Well, that was a success, huh? Negative. Commanding unit status, privileges revoked. Execution ordered as a result of mission failure. En même temps, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce pour réussir ma mission. This location isn't safe. Identifying. Nearest automated repair station is in North Abessa. Then go. But you four, you are not to report on my status. If asked about me, state that I died in the crash. I will meet you at the repair station in Abessa. Ok, très bien. Ah, mais c'est un garde là-bas. Alors, moi, on m'a dit... prendre une pépite d'or. Oh, vas-y, je prends. Ah. Donc, si je... Y'a par là. Ah, tiens, t'es... dernière jambe. Détecteur le mouvement, ça par contre je coupe carrément. Pépite du. Pas trop. Eh. Non, pardon. Ah bon, ouais. Vas-y. Garde est toujours là-bas, le garde. Peut-être pas passer par là. J'apprécie pas trop la blague. Comment remonter par là d'où j'ai. Je pense que ça va être la meilleure solution. Hop là. Et voilà une mission rondement menée. Est-ce que mon paquet... Clairement c'est juste... J'ai un peu la flemme de refaire. Hop, voilà. On va terminer la patte. Je vous avouerai qu'il est 23 heures passées, je pense que je peux encore continuer longtemps. En fait, je crève de chaud. On va voir ce qu'on peut faire pour Syndra et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette découverte. J'ai le détecteur de mouvement, mon ami. Ah, prise non. On est toujours là. Excellent work. Now my men stand a chance of seeing danger before they walk in. Parfait. Tell Cinder she can count on the support of the Hammer Clan. I will tell the men to be ready. Nickel. Je suis content d'avoir pu vous aider, l'ami. Par où? Ah. Oh là, ça c'est le mec. Là. This is private property. Ah, pardon. Je sais pas que c'était privé. On allait, monsieur. Hop là. Jure que l'étranger village aura une super réputation. Le mec qui entre à l'intérieur de toutes les bicoques, qui vole, qui s'envole quand il se fait surprendre.
Oh, mais je me signe pas avec la maîtrise. Rien à voir. Le clan du marteau t'amènera des vivres. Au niveau. Yes. Oh, you don't know what a relief that is. I was going crazy here. The least I can do is offer you some Alexid as thanks for your help. Ouais, Give me what you think is fair. Well, the Icen clan were due two payments. I guess they won't be claiming them now. There was 250 for the first, the same again for the second, so you get 500 Alexid. Teach me something. Of course. Attends. Ouais, genre. Ça, il faut de l'intelligence et de l'art. En vrai, la bibliothèque, ça a l'air cool. Tellement d'intelligence et de. Terrible. Plus intelligent. En fait, ouais, c'est ça, le charisme est clairement lié à l'intelligence. Je sais pas si je devrais. Je devrais axer ma montée de niveau en fonction de ce que je pourrais apprendre dans mes traits. Ou axer ma niveau comme ça. Et puis, bah, regarder ce qui me. Faire après. Faire ça. On va monter un peu à la zob. Hein. Voilà. Du coup, ça fait une mission de réaliser. Mon autre mission, c'était de chercher qui était le meurtrier du coin. Mais je vous avouerai que. Non, je vais pas voler cette coffre, je vais juste m'asseoir. Ah, c'est vrai que c'est pas une taverne, ça. Il y a un banc quelque. Elle est où la taverne? C'était en. Je pense que c'est là où la taverne. Bonjour l'ami, pardon. Oui, I'm looking. Un tabouret. Voilà. Sur cette belle image de moi avec pas de godet à la main et droit comme un i sur un tabouret, je vais vous laisser là pour ce soir. Parce que j'ai très très chaud. C'était donc Alex, qui est plutôt cool en soi, je pense que je pousserai un peu. Bien qu'au début il faille chercher un peu pour trouver des missions, ou peut-être que je lui prends juste mal, hein, c'est possible. Mais je pense que ça peut être vraiment un très bon jeu. Voilà, je le continuerai, je pense que... du coup, qui est encore là, merci beaucoup pour ceux qui sont passés, merci à vous. Pour ceux qui voient le replay sur YouTube... Merci à vous. Pour tout le monde, merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et d'ici là, jouez bien. Salut, salut. Non. Coupez le micro.